L'Agence européenne des médicaments a rendu ses conclusions. Selon elle, les bénéfices du vaccin AstraZeneca sont plus importants que les risques. Les ministres de la Santé européens et belges se réunissent en ce moment. Jim Moscovitz, l'agence propose tout de même d'ajouter les thromboses parmi les effets secondaires rares. Oui Camille, il va donc falloir rajouter les thromboses et les risques de formation de caillots sanguins aux effets secondaires rares dans la notice du vaccin AstraZeneca. Si l'Agence européenne du médicament a pu faire cette communication, c'est après une étude qui a porté sur plusieurs dizaines de cas de thrombose à travers l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais il faut tout de même relativiser ces chiffres car ils portent sur plus de 34 millions de personnes qui ont été vaccinées à l'AstraZeneca. Vous l'avez dit également, l'information c'est que le bénéfice-risque reste largement en faveur de la vaccination. On va donc continuer à vacciner à l'AstraZeneca à travers toute l'Union européenne, mais également la Belgique. Alors, les Bruxellois qui se sont fait vacciner aujourd'hui à l'AstraZeneca, c'était le cas notamment à Woluwe-Saint-Lambert, notre équipe a pu le constater, ne sont pas vraiment inquiets pour le moment. Le vaccin qu'on m'a injecté est le fameux AstraZeneca et quand même un tout petit peu de questions, mais bon, on fait confiance. J'ai posé la question à mon cardiologue à Saint-Luc et mon médecin traitant, et ils m'ont rassuré comme je prenais des anticoagulants, qu'il n'y avait pas de problème, je ne pouvais pas faire de thrombose, ni rien du tout, quoi. Pas de crainte, pas plus que pour les autres, hein. Vous savez, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, donc non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà, c'était au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Lambert et non de Woluwe-Saint-Pierre. Quoi qu'il en soit, plusieurs réunions sont en cours en ce moment même concernant l'AstraZeneca. Tout d'abord au niveau européen où les différents ministres de la Santé de l'Union se réunissent en ce moment même, mais également d'un point de vue fédéral ici en Belgique avec un conseil interministériel de la Santé qui se réunit en ce moment même et qui devra donner ses décisions quant à l'administration de ce vaccin. On parle peut-être d'une limitation d'âge, c'est ce qui se disait notamment cet après-midi dans la presse flamande. On précisera tout de même que l'Agence européenne du médicament a précisé que ces cas de thrombose, ces effets rares, on le répète, n'avaient a priori aucun lien avec l'âge ou le genre des patients qui en ont souffert.